Salut à toutes et à tous! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, celles et ceux qui me suivent sur Instagram l'ont déjà vu. C'est à propos de la Geek Days de Lille. Donc là, ça y est, enfin, mes épreuves sont écrites, sont à présent terminées. Donc là, je peux enfin me faire plaisir. J'évitais de sortir le week-end, j'évitais de sortir même les mardis. Comme vous avez vu, bah, je faisais plus trop de vidéos. Je m'interdisais tout pour à fond réussir mon diplôme. Visiblement, ça a marché, puisqu'il n'y a qu'une matière où j'ai vraiment foiré, mais sinon, le reste, dans l'ensemble, ça va. Donc, pour l'instant, ça part bien. Par contre, il reste les TP, et ça, c'est pas la joie. Parce qu'en général, les TP, je suis pas douée. Bref, voilà. Donc, j'espère que ça ira, hein. De toute façon, quand j'aurai mon diplôme, bah, je vous ferai une vidéo pour le dire. Tout simplement, voilà. Je ferai pas une. Je pense pas que je vais faire une vidéo après mes TP pour le ressenti parce que bah sinon il y en a qui vont se dire ouais elle l'a eu ou ouais elle l'aura pas. Enfin voilà. Donc non, je ne ferai pas de vidéo pour vous dire mon ressenti des TP. Voilà tout simplement. Ça je le garde pour moi et peut-être. Enfin et je vous ferai du coup la vidéo globale si je l'ai ou pas. De toute façon, je crois que les résultats, c'est le mardi à 15h. Donc, à 16h, je vous fais. Enfin, 15h30, 16h, le temps que je me remette de mes émotions. Je vous fais la vidéo. Si, si seulement je l'ai. Hein. Si je ne l'ai pas, je vous fais peut-être pas de vidéo parce que je serai triste et tout. Donc, je serai dégoûtée et tout. Donc, bah, je ne vais pas vous faire une vidéo en chialant. Hein, on va pas abuser. Bref, on ferme la parenthèse. Donc, la vidéo, elle était pour la Geek Days de Lille. Donc, je serai. Hop, désolée, je remets mon téléphone bien en place. Je serai présente à la Geek Days de Lille, donc demain, samedi 26 mai. Donc, je vous mets maintenant. Vous avez eu l'affiche de la Geek Days. Donc, c'est sur 2 jours, le samedi et le dimanche. Mais moi, j'y serai que le samedi de 13h à environ 13h30. À jusqu'à je sais pas, peut-être la fin, enfin peut-être la fin de la journée, je ne sais pas. Mais en fait, moi j'aurai pas de stand en fait, hein. C'est juste pour aller, enfin, c'est juste pour rencontrer mes youtubeurs que j'adore, que vraiment j'apprécie. Donc les youtubeurs, je vous mets maintenant. Voilà, la liste des youtubeurs qui seront présents. Donc là, vous l'avez vu, hein, la liste. Là, vous avez vu la liste des youtubeurs qui seront présents. Donc moi, je vais voir Néo de la chaîne Néo The One, Lucas TV, Miss Jirachi, Adrigeek, punaise, je vais jamais y arriver. Petit Quick. Voilà, c'est les youtubeurs que j'adore vraiment, vraiment à fond. Néo, il a, pour ceux et celles qui ne savent pas, il a un petit frère qui s'appelle Swan, qui a une chaîne YouTube également. Hein. C'est la chaîne Swan The Voice, enfin Swan et Néo, je crois, hein, parce que Néo, il fait aussi des vidéos avec son frère. Donc voilà. Mais les dédicaces de Swan sont le matin, mais moi, le matin, je travaille, donc malheureusement, je ne pourrai pas y aller. Donc voilà. Mais je sais pas, apparemment ils mettent sur le programme qu'il est Swan, il sera sur la scène centrale. Donc je ne sais pas. Enfin peut-être parce qu'en plus ils n'en ont pas parlé dans la vidéo, donc je ne sais pas. Bref, s'il y est et que je peux le voir, tant mieux. Ça serait bien. Donc voilà. C'est sinon. Ah oui, il faut pas que j'oublie. En plus, enfin je sais pas parce que je l'ai pas marqué, j'ai un papier hein, pour vous dire. Mais je l'ai, en plus, je l'ai même pas marqué. Que je devais vous dire forcément l'adresse, enfin le lieu. Donc c'est à Lille Grand Palais. C'est la même adresse que le Zénith de Lille. Donc c'est. Je sais plus l'adresse. Je sais plus l'adresse. Je vous la mets en barre d'infos. Parce que j'ai pas envie de faire de conneries, tout simplement. Voilà. J'ai pas envie de vous induire en erreur ou de faire de conneries. Donc, bah, comme je vous dis, moi, j'ai pas de stand, hein, mais si vous me voyez au détour d'une allée ou quoi, bah, n'hésitez pas à venir me faire un petit coucou. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez même des photos,
Je peux en faire avec vous, il n'y a vraiment, mais alors, pas de problème. J'aurai, attention, hein, ne vous fiez pas aux rougeurs que j'ai, j'aurai une meilleure tronche. Ce jour, enfin, demain, j'aurai une meilleure tronche. Déjà, je vais me laver les cheveux ce soir et je vais me maquiller demain. Parce que là, je suis pas maquillée en fait. J'ai juste mis du Restyle, mais je ne suis pas maquillée. Donc, j'aurai une meilleure tronche. Ne vous inquiétez pas. Sinon, je crois que je vous ai tout dit globalement. Je vous ai mis la Geek Days, enfin, la fiche de la Geek Days. Je vous ai mis le nom de tous les youtubeurs. Donc, comme vous avez vu, j'aurais aimé voir. Par contre, c'est David Lafarge, il me semble, qui s'appelle comme ça, Lafarge ou Lafrage. Non, Lafarge Pokémon, mais sa présentation, enfin, sa présentation. Sa présence a été annulée, donc je ne sais pas pourquoi. C'est marqué, comme vous l'avez vu, bah, vous l'avez vu comme moi, hein, sur le truc d'avant où je vous montre tous les youtubeurs qui y sont. Mais je ne sais pas pourquoi. Donc voilà, bah, c'est pas grave. Hein. J'aurais aimé quand même le voir, mais bon, tant pis. Donc voilà, je pense que là, je vous ai tout dit. Vous avez les renseignements de là où c'est en barre d'infos. Ah oui, le prix, c'est 11 euros. Enfin, moi, j'ai payé 11 euros le pass une journée, donc adulte. Après, je ne sais pas les autres prix, je vous le mets maintenant. Là, vous avez vu les prix, tous les prix, en fait, de là-bas, quoi, les tarifs, les différents tarifs, parce qu'il y a les passes une journée, les passes les 2 jours. Enfin, après, il y a plusieurs trucs. Je sais plus trop, mais il y a plusieurs trucs. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait peut-être que j'imprime mon truc avant demain. Ce serait bien. Parce que sinon, demain, je vais l'oublier. Parce que je pourrais pas de toute façon. Bref. Voilà quoi. Donc, vous avez eu toutes les infos. Demain, je ferai des stories. Pour celles et ceux qui m'ont sur Instagram, je ferai des stories quand j'arriverai là-bas. À peu près dans la journée pour voir où j'en suis, enfin pour voir où je suis, voilà, pour que vous voyez. Et donc, voilà, celles et ceux qui ont Instagram et qui ne m'ont pas encore rejoint, n'hésitez pas. Donc, mon compte, c'est Coralie59Passion. Je vous le remets également en bas. Donc, voilà. Comme je vous l'ai dit, je ferai des stories. Et puis, voilà. Je vais pas tout le temps faire des stories. Hein. Je vais en faire quelques-unes, notamment quand j'arrive et régulièrement dans l'après-midi. Enfin, pas régulièrement, mais. De temps en temps dans l'après-midi pour que vous voyez où j'en suis et à quelle position je me situe pour celles et ceux qui voudraient me voir. Voilà. Donc, voilà. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais vous parler d'un achat que j'ai fait. J'ai commandé hier. Ça arrive aujourd'hui. Je savais que ça arriverait en 24 heures, donc c'est parfait. C'est un vernis amer. Donc, je l'ai commandé sur une pharmacie. C'est la pharmacie, c'est la pharmacie La Grâce de Dieu. Donc, ça s'appelle la Pharma GDD. Je regarde sur le côté. Mais je vous montre pas le papier parce que sur le papier il y a mes coordonnées donc non. Il y a mon nom, enfin mon prénom, vous le savez, mais il y a mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone, enfin bref, il y a tout donc non. Je vous montre pas. Donc sinon, c'est un vernis amer donc c'est à partir de 3 ans donc c'est pour éviter de se ronger les ongles donc c'est marqué stop aux ongles rongés. Et c'est un vernis qui se présente comme un vernis classique, c'est un vernis transparent. Enfin, transparent, pas tout à fait. Il est à peu près, je sais pas comment. Bah là, vous voyez un tout petit peu là, qu'il n'est pas tout à fait transparent. Il est un peu jaunâtre et tout. Mais bon, c'est pour éviter de se ronger les ongles, hein, comme on dit. Voilà. Donc, je vous en parlerai prochainement quand je l'aurai bien testé. Si ça marche ou pas, j'espère, parce que là, j'en ai ras-le-bol. J'ai super mal aux ongles. Ils sont tout petits. J'ai super mal parce que des fois, je me les ronge. Je fais même pas gaffe. Des fois, ça arrive à 100. Tellement je me les ronge. Donc ça m'a coûté 6,42 €. Voilà. Et ah oui, j'ai aussi profité pour commander le cadeau de fête des mères de ma maman. Donc je lui ai commandé un truc qu'elle voulait. Je lui ai demandé son avis. Parce qu'elle est très difficile. Voilà. Hashtag maman difficile. Donc c'est ça qu'elle veut. C'est de la marque Filorga. C'est un truc contour des yeux. Voilà. C'est un truc contour des yeux. Voilà. Parce qu'elle n'en avait plus. Donc elle m'a demandé ça. Voilà. Ça, c'est donc il y a 15 ml dedans, c'est à 34,72 €, mais je m'en fous du prix, hein, pour ma mère. Franchement, je ne regarde pas. Voilà. Donc sur ce, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant des pouces bleus, des commentaires, ça me fera super plaisir, et à vous abonner si c'est pas déjà fait.
Donc, en attendant de peut-être vous voir demain ou une prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous et à bientôt. Bye!